savais pas qu'il a des enfants. Bye bye, c'est privé. Je pense que la notoriété de la méga star Lady Ponce qu'on ne présente plus, je pense qu'elle est pour beaucoup. Parce que les coups de fil de réservation même que je reçois, c'est pas forcément les gens de notre communauté. C'est des blancs qui appellent pour réserver, pour chercher à payer des billets maintenant. Donc je pense quand même que sa notoriété est en train de faire effet et on espère que la fête va combler toutes les attentes. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui est venu aussi de Paris. Il est talentueux et sûrement le plus talentueux de sa génération. C'est notre disque jockey et voici, il s'appelle... Voici pour vous l'unique, le seul DJ Giovanni. Mesdames et messieurs, voici ce que vous danserez encore ce soir. Voici la magie Giovanni. Ah. Merci. Je voudrais une salle d'applaudissements pour le disque jockey Giovanni. Hey. Mesdames et messieurs, la séquence musique jumelle qui va suivre, elle est la vôtre, la nôtre, et je voudrais vous présenter en premier une princesse de cœur. La grippe, c'est la maman tata. Yeah.
aussi jaloux. Le meilleur reste à venir. Sur le plan vocal, sur le plan physique, bref, vous savez que c'est une professionnelle. Incroyable, je l'ai trouvé franchement incroyable. La chose qui m'a vraiment touché, c'est la sympathisation de la fille. Lady Ponce, elle est incroyable. Elle est la première des artistes qui suis venue à Zurich. Moi, j'ai assisté, qui m'a impressionné. Elle est simple. Malgré ce qu'elle fait, elle aime la population, l'être humain. L'artiste est Zurich, qu'est-ce qu'il fait bien? Je suis très, très ravie parce que pour une fois, Lady Ponce, elle a réalisé notre rêve et elle est vraiment venue à temps. Et puis, il a vraiment fait des morceaux très, très formidables. C'est sans commentaire. La soirée était vraiment très belle. Non, mais la soirée était super belle. Lady Ponce a étalé la grandeur de son talent. Et je dis félicitations et encouragement à l'équipe organisateur. Merci. De ce soir, ils ont cartonné tous. Et Lady Ponce a vraiment mis le paquet. C'est une grande dame, dame des dames. Je suis content. Merci, merci. Merci pour la promotion de la musique camerounaise. Je suis camerounaise. Merci encore. Bonne soirée à vous. Non, c'était bien. C'était très bien. Moi, je suis très timide. Hein, avec... Moi, je n'ai pas de valentin, mais ce que je dirais, c'est que la prestation était belle. Tous les musiciens ont été à la hauteur. Vraiment, pour ma toute première fois, de voir vraiment quelque chose qui réussit. Ici à Zurich, vraiment, je suis très fier et je remercie encore les organisateurs et que Dieu les donne encore beaucoup plus de force de refaire encore beaucoup plus l'année prochaine. Mon petit camarade de la soirée, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'amour, que je suis venu dans cette fête parce que ma femme a contribué à la présentation de la salle. Dommage, elle est fatiguée, elle dort. Donc, je suis venu présenter le coupé et sommet. Et je félicite tout mon petit qui a organisé la soirée. Pour les organisateurs et puis tout, on est en famille, ça marche, allez. Pour moi, c'était aussi une soirée inoubliable. Ce n'est pas, c'est pas tous les jours qu'on a des artistes aussi talentueux. Bien sûr que bon, j'ai l'habitude de travailler dans ce milieu ou dans le milieu européen, ainsi de suite. Mais là, ce soir, c'est des performances uniques dans son genre. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de prendre mon travail très, très à cœur, pour satisfaire surtout la clientèle qui était là, pour rassurer tout le monde pour la sécurité, ce qui est très important. C'est vrai que ça a été très difficile, c'est une clientèle assez compliquée, la clientèle de Zurich, mais je pense quand même que ce soir, ils ont répondu présent, ils ont montré qu'ils avaient un grand respect et un grand amour pour l'artiste qu'on ne présente plus, Lady Ponce. Franchement, je garde une très belle impression de cette soirée. Lady Ponce, elle a fait une très belle prestation.
Prince Patrice, Princesse Pierre, Martin Nollet, et puis notre guest star aussi, Vichai. Ils ont répondu présent, ils ont fait ce qu'il fallait. Pascal Pierre, le maestro, il a mis la boucle qu'il fallait. J'ai essayé d'huiler un tout petit peu avec ce que je sais faire sur les platines. Alors Daniel, est-ce qu'on peut dire qu'on est un promoteur heureux ce matin? Heureux, c'est trop dire. On peut toujours mieux faire, mais l'essentiel a été fait. C'est pas tous les jours qu'on a un plateau comme celui-ci, où les gens sont en extase. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir comme ça le public très heureux auprès de l'Éripon? Ça fait plaisir pour elle, mais derrière il y a un travail de fond qui a été fait. Et je tiens à remercier, je profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour ce projet. Thierry Chibas, Daniel, Achou, Clarisse, ils ont été pleins à s'investir dans ce projet. Je ne peux pas citer tout le monde. Ils ont été tellement nombreux à me donner des coups de main. Beaucoup de même, je dirais, en allemand on dit Freiwillig.